si je suis membre de l'ASVL Espace et Coopération, qui combine trois aspects. Donc l'aspect de la transition écologique, donc la durabilité, la soutenabilité de notre monde au niveau écologique. L'aspect solidaire, l'économie solidaire, l'inclusion, la justice sociale, etc. Mais surtout aussi le commun, donc toutes les ressources partagées qu'on peut gérer ensemble en tant que citoyen. Et il se trouve que j'ai fait une enquête à Gand. En 2006, il y avait 50 communs urbains et aujourd'hui, on a 500 à Gand. Et mon étude à Gand a aussi montré que dans pratiquement tous les cas, il y a une relation avec la ville. Donc c'est soit un soutien, on va dire, ouvert, voire des subsides, soit une aide pour adapter la réglementation, pour permettre une activité qui était a priori peut-être pas permis facilement. Donc les citoyens se mobilisent, la société civile se mobilise pour faire ce que la ville et le marché ne fait pas. C'est la ville qui doit s'adapter aux citoyens plutôt que l'inverse. Du quartier et je fais partie de l'association Morichard en transition. Moi je suis Eric, donc je suis un ami à Claudine, je suis ornithologue amateur et à la demande de Claudine je suis venu lui donner un coup de main dans cette aventure extraordinaire qui est l'aventure du groupe Moineau. Pourquoi le moineau par rapport à d'autres oiseaux? Parce qu'en fait c'est une espèce qui était très fréquente. Ça touche tout le monde, quand vous parlez à des enfants ou à des plus âgés, quand on parle du moineau, tout le monde se dit ben, où sont-ils passés? Statistiques ici reprises à partir de 1992, où les populations en ville à Bruxelles, mais c'est la même chose dans les autres capitales, sont en voie de disparition. Alors il y a deux facteurs, donc la disparition des cavités, comme on bouche tous les trous avec les rénovations, les isolations, les moineaux ne savent plus où nicher, ce sont des cavernicoles. Et le deuxième point, c'est la disparition des graines dont ils se nourrissent, ils sont granivores, et des insectes, donc en ville. Donc le but n'est pas de donner à chaque habitant de la commune un nichoir et ce kit. L'objectif est bien de renforcer les colonies de moineaux qui existent afin qu'elles puissent essaimer vers d'autres quartiers. Ça, c'est notre objectif. Donc nous avons identifié quelques colonies existantes à Saint-Gilles et notre objectif est de contacter les personnes qui vivent autour de ces colonies existantes et de leur proposer en fait de partager ce projet moineau. L'outil principal pour discuter et mobiliser les habitants s'appelle le cahier des moineaux. Donc on y a travaillé vraiment pendant une bonne année et demie, mais en constituant notre savoir en même temps. Donc on y explique pour l'habitant, autant des enfants que des adultes, qu'est-ce que c'est qu'un moineau, quelles sont les caractéristiques du moineau, quelle est la vie du moineau, trimestre par trimestre, et quels sont les besoins du moineau pour se nourrir, pour se loger, pour se reproduire, donc à chaque saison. Et ensuite, pour chacun de ces éléments de sa vie, quels sont les coups de main que l'on peut donner? Déjà maintenant, d'autres personnes extérieures à Bruxelles sont intéressées, sont prêts même à nous acheter des kits tout faits. Ils sont intéressés par la démarche intellectuelle, donc par le cahier des moineaux. Donc effectivement, il va y avoir un succès et qu'il faudra gérer. Et peut-être que dans l'avenir, moi je pense que l'idéal, c'est que les citoyens prennent conscience qu'effectivement, il y a un bien commun qui est l'avifaune, donc la faune des oiseaux présents en ville, qu'on a invité à venir habiter avec nous. Ils vont se rendre compte que cette population, ces oiseaux sont en danger. Et donc, c'est un bien commun qu'il faudra préserver. Donc, c'est de mettre des mesures en place pour éviter leur disparition. Bonjour, il paraît que je dois vous entretenir à propos du GAG. Qu'est-ce que c'est que le GAG? Le GAG, c'est le groupement d'achat, groupir. Je ne veux pas trop insister sur le groupir, ça c'est une connotation par rapport à ceux qui connaissent les films de
de Funès et Bourville, et donc ils trouveront bien les références. Mais donc c'est un groupement d'achat qui est né maintenant il y a 10 ans, et donc c'est un groupement d'achat qui voulait se différencier un petit peu du système bien connu de distribution par panier, parce qu'avec les paniers on reçoit quand même toujours un petit peu la même chose, on n'est pas vraiment maître de ce qu'on veut avoir. Donc je dirais c'est un côté un peu plus libertaire, en ce sens que les membres de la communauté choisissent exactement ce qu'ils désirent en produits fermiers, fromages, etc. Tous les 15 jours, nous recevons une liste de produits, soit les produits de la ferme même avec laquelle nous travaillons avec une seule ferme, qui est la ferme Sainte-Barbe. Et donc, il y a d'une part donc, les produits produits directement à la ferme, et d'autre part, le fermier joue aussi l'intermédiaire pour d'autres produits bio, parce que c'est un fermier bio qui ne se produisent pas en Belgique, comme des bananes, des citrons, etc. Premier critère, on voulait le produit sain, livré à partir d'un circuit pas trop loin. Donc on était favorable à des circuits courts par opposition à des circuits très éloignés. Et donc ici, effectivement, donc il vient livrer de Gac à Saint-Gilles, ce qui fait qu'il vient de sa ferme qui est quand même à 50 km d'ici, mais donc il vient toujours avec une camionnette pleine, donc on limite au maximum le gaspillage de CO2, etc. Nous, le caractère bio n'est pas le premier critère, on insiste plus sur le local et sur le fait de cette communauté, et on veut surtout combattre l'agro-industriel, parce que ça c'est vraiment, on voit bien, j'ai entendu le chiffre l'autre jour qui me semble effarant, qu'il y a 1000 fermiers qui disparaissent par an en Belgique. C'est énorme. Et sinon, surtout, tout le monde doit participer aux tâches. Donc la tâche la plus commune, c'est la répartition. Donc on veille à ce que chaque famille à tour de rôle participe bien à sa répartition du samedi matin. Mais donc il y a aussi un autre élément, je crois qu'on peut dire, c'est que cette philosophie, surtout, rentre dans toute la mouvance du désir de transition. On n'en veut plus de ce monde agro-industriel, on n'en veut plus de cette grande finance qui en fait nous dirige. Donc il faut que notre mouvement s'intègre dans tout le mouvement de transition, mais dans un mouvement de transition où les gens sont plus coopératifs, où les gens sont plus conviviaux, etc. Donc je crois que c'est un enjeu aussi très très important qui fait qu'il y en a quand même beaucoup qui, malgré la tentation des magasins qui s'ouvrent, etc., reste dans le groupement d'achat. Est-ce que c'est un commun? Je ne sais pas très bien si on peut utiliser le mot commun. Dans notre cas, c'est plutôt une communauté de solidarité, je dirais. Quelles sont les ressources que nous partageons? Mais nous ne partageons pas, nous achetons. Ce qui est en commun, c'est le partage des tâches, etc. Je m'appelle Mélanie, je fais partie d'un collectif de facilitateurs et de facilitatrices. Notre objectif, c'est de transmettre des pratiques d'intelligence collective, de gouvernance partagée, d'autres manières d'être et de vivre ensemble. Dans notre slogan, c'est Mi Collectiva, intelligence collective et autogestion. On s'inspire des deux, on trouve que les valeurs de l'autogestion sont importantes et en même temps, on travaille aussi la responsabilité personnelle, individuelle dans le collectif, on travaille le lâcher-prise, on travaille une définition des rôles clairs pour que chacun ait un mandat sur lequel on peut après travailler. Pour ça, on s'inspire de la sociocratie qui propose des réunions de triage, donc qui sont des réunions opérationnelles, des réunions de stratégie et des réunions de gouvernance et des moments de régulation. C'est important pour nous de continuer à intervenir dans des espaces qui font sens pour nous, avec lesquels on est en accord sur les valeurs et sur une vision de changement sociétal. Parce que c'est vraiment ça notre objectif, on ne va pas le cacher. On veut que le monde fonctionne autrement et on pense que l'intelligence collective, que la gouvernance participative est un réel outil de changement. On est en contact avec d'autres groupes qui travaillent ces questions-là. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on ne peut pas ne pas être en contact, vu qu'on travaille les collectifs, on ne peut que créer du collectif entre collectifs. Vu qu'on intervient dans le monde associatif militant, qu'on intervient dans des habitats groupés, des fédérations, des services sociaux, de maisons médicales, qu'on intervient vraiment dans ce réseau-là, bien sûr, la majorité des participants avec qui on travaille a une vraie sensibilité aux actions sociales, à ce qui vit actuellement dans la société. Et puis, on a entre autres lancé des soirées de pratiques d'intelligence collective
là où on est aujourd'hui d'ailleurs. C'est la 26e aujourd'hui, je pense, si je ne me trompe pas. Et donc, à travers ces soirées, on voulait tester des outils, les mettre en place et on voulait les ouvrir à ce qui est devenu un peu la communauté autour de Collectiva, donc à des personnes intéressées par ces dynamiques-là. Nos réseaux, ça veut dire le réseau associatif, le réseau militant bruxellois, mais au fur et à mesure des années, ça s'est ouvert aussi vers d'autres secteurs, je veux dire, là, voilà. Nous, quand on arrive, on met les chaises en cercle et on ne se pose même pas de questions. Qui va construire une posture derrière? Parce que quand on est tous en cercle, ben, en fait, on est au même niveau d'égalité, on peut voir tout le monde dans les yeux, on peut être plus créatif, on est plus souverain parce qu'on peut facilement se lever, faire autre chose. Ben, moi, je suis intéressée, je trouve que la notion de bien commun emmène beaucoup de choses intéressantes et importantes. Et c'est vrai qu'à l'invitation de faire... cette petite vidéo sur le lien, enfin en tout cas sur Collectiva et les biens communs, je me suis dit, ah oui, j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de justement ouvrir ce champ-là, voir un peu ce qui pourrait se passer. J'ai pas de réponse claire, est-ce qu'on est dans ce champ de biens communs ou pas. En tout cas, pour moi, autant l'intelligence collective, comme on en parlait tantôt, de l'ordre de cette richesse que des collectifs peuvent faire émerger à travers une forme de travail ensemble, ou d'être ensemble, parce que c'est important aussi de simplement être. Ça, je pense que c'est clairement un bien commun, dans le sens où, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui est à disposition de tous et de toutes. L'objectif, c'est de lutter contre le gaspillage, contre l'obsolescence programmée. C'est une activité qui est extrêmement gratifiante, à la fois pour les réparateurs et pour les bénévoles, et pour les gens qui ont leurs objets, qui sont soit ils sont réparés, et ça c'est évidemment très, très agréable, soit ils ne sont pas réparés, mais au moins on sait ce qu'il y a. Et on est convaincu que bon ben voilà, il n'y a rien à faire. Les gens qui s'engagent dans ce genre de bénévolat, c'est parce qu'ils aiment chercher ce qu'on peut faire pour réparer. C'est la curiosité, ça fait appel à l'intelligence aussi pour comprendre ce qui se passe. Donc moi j'ai la fonction d'accueillir les gens. C'est important qu'il y ait un côté convivial aussi au Repair Café. Ils sont contents quand c'est réparé et ils mettent une petite pièce dans les petits cochons prévus à cet effet qui sert juste à louer notre local chaque mois. Le but de nous, c'est d'éviter qu'on jette et tout ça. Simplement, des fois, c'est des choses très simples à faire. Donc, nous, on fait notre possible pour réparer tout ce qu'on a. Aujourd'hui, pour moi, c'était une belle journée. J'ai eu 4 appareils, par exemple. Ici, on a ces 4 appareils, j'ai su les réparer. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, hélas, beaucoup de fabricants utilisent des vis qui sont assez spéciales. Nous avions dans le temps, par exemple, simplement un tournevis plat, une croix. Maintenant, on nous met des vis à cran avec une petite tute, par exemple, tout ça. Et notre problème, nous, c'est simplement qu'on n'a pas tous les tournevis qu'il faut. Et c'est ça qui empêche vraiment de réparer, alors que des fois, simplement ouvrir le boîtier, à cause de ces vis, pose beaucoup de problèmes. Tout le monde est content quand on s'est réparé, quand ça ne va pas, bah, au moins on aura fait notre possible. Ça apporte beaucoup un lien social aussi entre personnes. On découvre des personnes, on parle avec des personnes aussi, et c'est quand même un bel échange. Oui. Bonne nuit.